Et bonjour à tous les amis, c'est Brazil de Gamer Favori, donc on se retrouve pour la boutique du jour de Fortnite du 19 décembre 2023, donc avec à la une toujours le pack Tortue Ninja, donc avec Leonardo en tenue épique, avec sa version Lego, ses sailles de Léo, c'est son accessoire de dos épique, les katanas de Léo, c'est sa pioche, Michelangelo donc en tenue épique avec sa version Lego, sa planche de et Muchaku de Mickey qui est son accessoire de dos épique, Muchaku de Mickey c'est sa pioche. Donatello, donc en tenue hippique avec sa version Lego, avec son fourreau de Donnie qui est son accessoire de dos hippique, le beau de Donnie c'est sa pioche. Ensuite, vous avez Raphaël, donc en tenue hippique avec sa version Lego, étui à sailles de Raph, donc c'est son accessoire de dos hippique, et pour finir, les sailles de Raph qui est sa pioche hippique, tout ça pour 3400 V-Bucks. Hors pack, vous avez Leonardo, donc en tenue hippique avec sa version Lego. Ses sailles de Léo qui sont accessoires de dos épique, les katanas de Léo c'est sa pioche épique, tout ça pour 1600 V-Bucks. Michelangelo donc en tenue épique avec sa version Lego et planche et Muchaku de Mickey qui sont accessoires de dos épique, Muchaku de Mickey c'est sa pioche pour 1600 V-Bucks. Donatello donc en tenue épique avec sa version Lego et son fourreau de Donnie qui sont accessoires de dos épique et le beau de Donnie qui son bâton qui sa pioche également pour 1600 V-Bucks. Raph donc en tenue épique avec sa version Lego. L'étui à side de Raph, c'est accessoire de dos épique et side de Raph, donc c'est long couteau là, on va dire. Qui sa pioche épique pour 1600 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le pack Aprionil, donc avec Aprionil en tenue épique, la version Lego. La caméra de Canal 6 qui est son accessoire de dos épique. La carapace de héros, donc c'est un accessoire de dos rare, donc il a 4 customs au départ. Donc autant que les Tortues Ninja, donc c'est 4 customs des Tortues Ninja, on va dire au départ. Et après, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez parce qu'il est entièrement personnalisable avec tous vos aérosols. Enfin, oui, avec tous vos aérosols que vous possédez. Donc, vous voyez, hein, je vous les montre. En plus, vous pouvez mettre un dessus et un dessous. Là, par exemple, voilà. Vous voyez, donc il est, pardon, il est entièrement customisable. Donc, vous pouvez le faire comme vous voulez. Donc, avec déjà plaque de Tortue Ninja, c'est la petite emote atypique. Enfin, ces aérosols, ils mettent emote, mais ces aérosols. Pizza, tag de Raph, secret révélé, tag de Léo, roi des rats, tag de Mickey, Canal 6, tag de Donnie et sa petite pioche micro à scoop, donc qui est sa pioche rare pour 1800 V-Bucks, le prix du pack. Hors pack, donc vous avez appris le Nil en tenue épique avec sa version Lego et sa caméra de Canal 6 qui sont une sorte de dos épique pour 1500 V-Bucks. La carapace de héros, donc avec les 9 aérosols déjà, dès que vous l'achetez pour 400 V-Bucks, donc c'est tous ceux que je viens de vous citer actuellement, donc Donnie, Canal 6, Tag de Mickey, la pizza et tout ça, plus tous ceux que vous avez, donc tout ça pour 400 V-Bucks, donc c'est ce sort de dos rare. Sa pioche micro à scoop, donc qui est rare également pour 800 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack Diesel, donc avec le châssis Diesel, donc ça c'est pour Rocket Racing et Rocket League, on va dire. Acheter cet objet le rendra également disponible dans Rocket League, donc évidemment. Avec la châssis diesel, donc avec double zéro, son sticker rare également, donc le châssis diesel est rare. Numéro 7, c'est son sticker hippique. Flamme, c'est typique. Elle, éclair et rayures, ce sont des typiques, tout ça pour 2500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack cyclone, donc avec le cyclone, sa châssis atypique, donc avec ses stickers typiques avec Bat Boy, Flamme, Lita 99, Sliver, Rayure et Witou, tout ça pour 1500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Jaguar 619, donc le châssis atypique, donc avec ses pros du circuit qui sont stickers typiques, Euphorie, Kraken, Avis de Tempête, Rayure et le Sommet, tout ça pour 1500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour du pack Néon, donc avec Nocturna pardon, en tenue atypique, donc le noir ne lui fait pas peur, il faut partir ensemble Néon saison 4 premier chapitre, donc avec sa version Lego. Luminex, donc un combattant brillant, donc il fait partie du même ensemble, évidemment, en atypique également, avec sa version Lego. Le bâton luisant, c'est leur pioche rare, donc lui, voilà, il faut comprendre le jeu de mots. Et pour finir, Étincelant, donc c'est leur petit planeur atypique, tout ça pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Turna, donc en tenue atypique, et sa version Lego pour 800 V-Bucks. Luminex en tenue atypique avec sa version Lego pour 800 V-Bucks également. Le bâton luisant, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks. L'étinceleur, c'est son petit planeur atypique pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez Sycomore, donc il fait son retour avec ses deux customs. Ses racines sont profondes, mais il fait partie de l'ensemble. Gradient de l'automne, saison 4, chapitre 4, donc en tenue rare avec ses deux customs différentes comme vous voyez actuellement à l'écran. Avec sa version Lego,
Et son talisman Scoto Fit, donc qui est sa accessoire de dos, transporter les esprits avec vous. Voilà. Transporter les esprits avec vous, tout simplement. Donc tout ça pour 1200 V-Bucks. Kuno qui fait son retour en tenue épique avec ses deux customs. Donc devenez une vision, fait partie de l'ensemble Clan du Faucon, saison 8, premier chapitre. Donc voilà, avec ses deux customs différentes en tenue épique avec sa version Lego. Le Kama double, c'est son accessoire de dos épique également. Donc empoignez la victoire dès demain. Donc avec ses deux customs, comme vous voyez visuellement à l'écran. Tout ça pour 1500 V-Bucks. Le retour des Jerry, donc en tenue atypique, sur son podium, il n'y a pas de seconde place, c'est parti ensemble, bah, aucun ensemble en fait. Saison 2, chapitre 2, donc avec sa version Lego. Tout ça pour 800 V-Bucks. Cassage, c'est une petite emote atypique, donc je te prends, je te pète en deux comme ça, crack, saison 3, premier chapitre pour 200 V-Bucks. Grosse colère, donc c'est notre une petite emote atypique. Il faut que la vapeur s'échappe, saison 2, chapitre 2, pour 200 V-Bucks. Ensuite, vous êtes sur le pack Aristo Berlingo, donc avec Monsieur Dorge, donc en tenue rare, avec sa version Lego. La besace à bonbons, c'est son accessoire de dos rare. Les orges chic, c'est sa pioche atypique. Les lingots, c'est son petit planeur atypique. Et le sucre d'orge, c'est son vêtement d'herbe atypique, tout ça pour 1800 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Monsieur Dorge, donc avec sa version Lego. Et sa besace à bonbons, qui est son accessoire de dos rare pour 1200 V-Bucks. Les orges chic, c'est sa pioche atypique pour 500 V-Bucks et ses deux customs. Un lingot, c'est son petit planeur atypique pour 500 V-Bucks. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez sur le pack Rick Grims, donc avec Rick Grims, donc avec ses deux customs en tenue hippique. Avec sa sacoche de shérif, accessoire de dos hippique. La masse anti-rodeur, c'est sa pioche atypique. Le side délabré, c'est son petit planeur rare. Tout ça pour 1900 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Rick Grims en tenue hippique et ses deux customs. Et sa sacoche de shérif, accessoire de dos hippique pour 1500 V-Bucks. La masse anti-rodeur, c'est sa pioche atypique pour 500 V-Bucks. Le satellite délabré, son petit planeur rare pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez compagnons de survie qui font partie du même ensemble, évidemment. Donc avec Michonne et ses deux customs. Avec son katana de Michonne, accessoire de dos et pioche en hippique également. Daryl Dixon, donc avec ses deux customs, donc en tenue hippique, avec son carquois de chasse, accessoire de dos hippique, et ses couteaux de Daryl qui sont sa pioche hippique, tout ça pour 2500 V-Bucks, le prix du pack. Hors pack, donc vous avez Daryl Dixon et ses deux customs en tenue hippique, avec son carquois de chasse et ses couteaux de Daryl pour 1800 V-Bucks. Michonne en tenue hippique et ses deux customs et son katana de Michonne, accessoire de dos et pioche pour 1800 V-Bucks également. Donc pack et hors pack. Ensuite, vous avez le retour du de Kenjutsu Kaizen, donc avec Satoru Kojo, donc avec sa tenue hippique et ses deux customs, avec sa tasse de sucre qui est son accessoire de dos hippique, tout ça pour 1500 V-Bucks. Le pack Megumi Fushiguro, donc avec Megumi Fushiguro en tenue hippique, avec son chien de jade, accessoire de dos hippique. La lame de Megumi, c'est sa pioche rare. 10 ombres, chien de jade, c'est sa petite emote rare. Et la deuxième, c'est 10 ombres, éléphant de plénitude, donc tout ça pour 1900 V-Bucks. Ensuite, le pack Nobara Kushinagi, donc avec Nobara Kushinagi en tenue hippique, avec sa poupée de paille, ce soir de dos hippique, et le marteau de Kushinagi qui est sa pioche rare, tout ça pour 1800 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Megumi Fushirigo, donc Fushiguro, pardon, avec en tenue hippique, avec son chien de jade, son accessoire de dos épique, et disons, chien de jade, c'est sa nimote rare pour 1500 V-Bucks. Le sabre de Megumi, donc c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks. Disons, éléphant de plénitude, c'est sa deuxième nimote rare pour 200 V-Bucks. Nobara Kushinagi, donc en tenue épique avec sa poupée de paille et accessoire de dos épique pour 1500 V-Bucks. Le marteau de Kushinagi, sa pioche rare pour 800 V-Bucks. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez le retour du pack Terminator, donc avec Terminator. Donc suivez-le si vous voulez vivre. Il fait partie de l'ensemble Guerre du Futur, saison 3, chapitre 4, donc avec ses différentes customs. Voilà. Ou à moitié défoncé ou pas. Voilà. Éprouvé au combat, exactement. Voilà. Ou entier, ou avec ou sans lunettes. Donc voilà, il est beaucoup mieux avec les lunettes. Hein. C'est le vrai Terminator en tenue hippique. Avec son lama de Skynet, qui est son accessoire de dos hippique. Hasta la vista lama. Avec son surf sur le camion, sa petite emote rare. Foncer à travers les canaux anti-inondation. Donc voilà. Les lames en polyaillage mimétique, c'est sa pioche atypique. Donc extraite du Terminator modèle T-1000 de Skynet. Et pour finir, le CTL, le soutien aérien, donc qui est le petit planeur rare, donc chassé depuis le ciel, tout ça pour 2300 V-Bucks. Hors pack, vous avez Terminator et ses trois customs en tenue hippique avec son lama de Skynet, accessoire de dos hippique pour 1500 V-Bucks. Les lames en polymaillage niétique qui s'appioche atypique pour 500 V-Bucks. Le soutien aérien, son petit planeur rare pour 800 V-Bucks. Le surf sur camion, c'est sa petite emote rare pour 500 V-Bucks, voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack The Weeknd, donc avec Weeknd combattant et ses trois customs, Anthony Siri Icon, avec son masqué, son emote intégré.
Le Xio, c'est une sorte de dos. La Jio, c'est sa pioche. L'Asso Xio, donc c'est son petit revêtement d'armes. Le Rite de Tendance, c'est sa petite emote. Voilà. La gratte Xio, donc c'est sa guitare. Et le clavier Xio, donc son petit clavier, donc série icône, tout ça pour 3500 e-bucks. Hors pack, donc vous avez ce week-end combattant, donc avec ses trois customs différentes, avec son masqué, et son emote intégré, et Xio, accessoire de dos pour 1800 e-bucks. La gratte Xio, c'est sa guitare pour 1000 e-bucks. Le clavier Xio, son deuxième. Son clavier pour 1000 V-Bucks également. Le Rite de Tendance, sa petite emote, pour 500 V-Bucks. La JO, c'est sa pioche pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez les boîtes à pizza, donc qui est une batterie rare pour 1000 V-Bucks. Le Néon Urbain, c'est une basse épique, donc pour 1500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toutes les pistes musicales. Voilà, hein, vous le savez, donc avec The Weeknd, etc. Donc, ça, c'est pour jouer. Au festival, donc avec toutes ces emotes, toutes ces pistes musicales, je peux même pas vous les faire écouter parce que sinon, elles sont toutes. C'est ce que je comprends pas, c'est qu'ils les mettent dans la boutique et elles sont toutes des droits d'auteur, donc je peux pas les mettre. Donc voilà, tout simplement. Bon, ce n'est pas trop grave, donc vous les connaissez déjà. Hein, il y a pas mal de pistes musicales, je crois qu'il y en a 21 au total. Sinon, vous avez toujours possibilité de souscrire au club Fortnite pour 12 € par mois. Depuis le mois de décembre, vous avez l'ensemble de l'unité au club. Depuis le mois de décembre de l'année dernière, évidemment. Hein. Des objets cosmiques exclusifs au club dont une nouvelle étape est livrée chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous recevez le Rocket Pass Premium. Donc, grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur l'appareil compatible plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Si vous avez passe de combat, ils vont pour 550 V-Bucks. Vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à date de facturation du club. Et ce mois-ci, un cadeau, c'est toujours la chalonneuse osseuse en tenue atypique avec son sac crâneur d'espertes qui sont accessoires de dos atypiques et la trancheuse éclaireuse qui est sa pioche atypique. Donc, tout ça donc pour 12 € si vous souscrivez dès aujourd'hui au Club Fortnite. Voilà. Du coup, nous, on se voilà. Bah, du coup, voilà, nous arrivons déjà au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de la liker, la commenter et la partager. Et surtout de la regarder, les amis, parce que là, je fais beaucoup de vues, mais vous mettez pas le petit pouce bleu. Donc, si vous regardez la vidéo, rendez-la entièrement. Ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait vraiment plutôt que de regarder 1 minute 30 ou 1 minute 10 de la vidéo. Ça n'a pas grand-chose. En fait, ça fait juste une vue. Mais voilà, je veux dire, si la chaîne vous plaît vraiment, que les vidéos me vous plaisent vraiment, hein, je ne force pas. Attention, je ne force pas la main, mais je veux dire. Mais si vous regardez la vidéo, tant qu'à faire, vous la regardez entièrement, vous la likez, vous la commentez, et surtout vous la partagez, comme ça, voilà, ça fait effet de neige, hein, je vais pas vous la prendre, donc voilà, si vous la partagez, ça aide plus la chaîne, et ça soutient vraiment, donc voilà, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et si t'es pas encore abonné, c'est en bas à droite que tu peux le faire, c'est totalement gratuit, tu cliques sur s'abonner, tu peux pas activer avec la notification pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo. Et pour le soutien, tu le connais par cœur, c'est le code qui a enflammé ton été, c'est le code qui va réchauffer ton hiver, c'est le code de l'année, c'est le code brasier en majuscule, en minuscule, en boutique Fortnite, on s'en fout, vous mettez fouillé, moi ça m'aide énormément. Et sur ce, je vous laisse, donc passez une bonne journée, nous on se retrouve ce soir pour notre Let's Play d'Uncharted, c'est la partie 13, donc je vois que la partie 12 vous a très très plu. Donc ce soir c'est la partie 13 à 18 h, voilà. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée, portez-vous bien, et à ce soir, bye bye!